Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Et nous, on se retrouve une nouvelle fois sur Banished. Alors, je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai pas trop d'idées de ce qu'on pourrait faire. J'ai lancé l'enregistrement un petit peu avant justement pour ça, mais finalement, j'ai pas trop d'idées. Mis à part peut-être commencer à étendre un peu cette partie-là. Pour pouvoir s'étendre un petit peu plus, va falloir surtout suivre une ligne nourriture. J'ai pas envie de prendre de nouveaux risques. Je pense que d'ailleurs, ouais, la bouffe commence à venir. Ah, hop, tac tac, 1, 2, 3. Voilà. Et du coup, pour ce faire, j'ai juste placé un nouveau champ. Et j'ai placé, alors ça s'appelle Water Tower, c'est un château d'eau. J'en ai un ici et un là. Hop, d'ailleurs je vais faire travailler quelqu'un dessus directement. Ça permet de nourrir les habitants entre guillemets. Donc voilà, ça évite de mettre beaucoup trop de champs. D'ailleurs des châteaux d'eau, je pense que j'en mettrai de plus en plus afin que les habitants justement puissent se nourrir tranquillement. Et c'est au moins on est tranquille avec ça. Voilà, ça demande moins de temps de travail. Et puis voilà la personne, alors attendez on va voir, l'autre il est parti. Alors, on va peut-être aller voir sur l'autre. Ah bah lui il est parti, il a emmené ça là-bas. Mais voilà, ce qui se passe, c'est comme s'ils étaient dans un champ. Et voilà, on se retrouve avec des bacs d'eau. Alors je vais juste attendre qu'il le prenne. Voilà, lui. Chez le villageois, inventaire. Water, 16. Et du coup ça veut dire que les habitants... Ouais. L'eau c'est comme de la nourriture. Bon. Voilà, au moins ça peut nous permettre de retirer une épine du pied, vraiment pour, notamment pour ne pas mettre des champs partout. Déjà là c'est pas mal, sachant que je peux encore augmenter un petit peu plus loin les champs. Après le problème étant que je vais pas forcément pouvoir placer les forestiers trop loin non plus. Donc je sais pas trop, à moins que je les place ici également. Je sais pas trop. C'est pas trop. Bah après de toute manière le, ouais. J'ai juste regardé, mais le marché il a, ah oui le marché est énorme. Donc à la rigueur s'ils sont là et que je mets les zones de stockage là, ah ouais non c'est chaud. En fait j'aurais limite dû, non mais la cathédrale ne serait pas passée, j'aurais dû mettre le marché ici et la cathédrale juste après, mais on va juste faire le test, on va voir. De toute manière la cathédrale n'est pas construite, il n'y a aucun bâtiment de placé. Donc on va placer le marché juste ici. On va le mettre comme ça. Ensuite, on va mettre pause. Et on va mettre la cathédrale ici. Et ouais, effectivement, ça passe pas. Sauf si je la décale. Et bah non, même pas. Ah, ça fait un peu chier ça. Ça se joue à un bloc, c'est un peu dommage. Bon. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. on va faire avec. Où est-elle? Voilà. Moins bien de la placer. Ah, quoique. C'est pas mal comme ça aussi. Bon, il y aura juste. Ah! Je sais pas vraiment ce qui vaut le plus le coup. Ce serait de mettre la cathédrale ici ou. Ah, je préférerais la mettre là quand même. C'est quand même bien. Comme ça, notre marché, on peut le caler tranquillou ici. Il arrive jusque là, donc eux, on peut les laisser stocker leur machin ici et là. Pas même surtout ici, hein, ils vont se débrouiller. Elle a... En fait, ça va être juste ça. C'est un peu con.
Ah bah non, c'est vrai, il y a le la grange juste ici. Ouais, mais du coup, les autres sont beaucoup plus loin. Donc ça sert pas à grand chose. Il sert pas vraiment à grand chose ici le marché, c'est un peu dommage. Puis sachant qu'il faut énormément de personnes pour entretenir le marché, alors... Ouais. Bon, on va faire 100. Je vais regarder un petit peu les bâtiments qu'il peut y avoir ici. Ah ouais, au fait, là, il y a les résidences des gens qui travaillent, c'est pas mal. Wine mill. Ok, water mill. Ouais, voilà, c'est dommage. Et là, il me faudrait du blé. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que vous voyez, je peux faire un moulin. Mais il me faudrait du blé, comme ça va moudre le blé. Et ensuite, je peux placer les boulangeries. Ça pourrait être sympa. Medieval clinic, barbershop, dentiste, bathhouse. C'est des termes en gros. Medieval school. L'école ici. Ouais. Ah, attendez, mais en fait, je suis juste trop bête. Je pourrais très clairement remplacer les maisons ici et les remplacer par des grandes comme ça. Les gens vont se retrouver un petit peu à la rue, mais le goût du risque, et pas le goût du Rix, hein. Pas comme au parc Astérix, attention. Hop, du coup ce qu'on va faire, c'est que la maison ici, on va la péter, la maison ici, on va la péter. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4, 5, 6. Je pète même celle-là. Et la route qu'il y a là. Ah mais non. Mais il y a 5 de... Ah merde. Ah, il me fait chier lui, hein. Fait un peu. Quoique. Vu que ça fonctionne pas des masses, ça sert peut-être à rien d'en avoir deux. Hein. Ah non, mais non, mais c'est un blacksmith. Bah, au pire. Alors attendez. Ah, c'est toute une organisation là. Si je vais là, que je vais là, et que. Je vais là. En fait, c'est exactement le même. C'est parfait, ça va bien avec l'ensemble, je trouve. Ouais. On va y avoir des gens qui vont être un petit peu à la rue. Ah, mais ouais, c'est ça. J'aurais dû construire le... lui. 100 et 45. Bah attendez, c'est faisable. C'est très clairement faisable. Là je peux pas, là je peux. Pire, je mets ça comme ça. Ça. J'ai juste annulé les destructions en attendant. Et lui, je vais le mettre sur pause. Comme ça, ils vont se concentrer sur ça. Quoi ? Comment ça, vous n'avez pas de maison? J'ai rien détruit encore. Ah si, c'est bon. Et au niveau des routes, on va commencer à tabasser de la route en pierre. Hein, parce que là, ça suffit un peu. Vous en êtes où? Ouais. Et il faut juste un petit peu de bois. Et hop, on tabasse à fond. On en met 3. Comme ça, ils vont être contents. Allez, messieurs. On est parti. Ah ouais, 150 de construction. Ouais, ouais. Alors là, c'est combien? 8000. Non, mais il va falloir des années avant de pouvoir construire le truc. Ça va être infâme. Hein. Regardez, là, c'est déjà pas mal.
Il nous faut bien 30 secondes pour construire à 150, donc sachant que là c'est 8000. Il nous faudrait 300, au moins je dirais 20 bonnes minutes. Et encore, c'est peut-être gentil. Bingo! Donc ça, c'est construit. Quoique eux, je vais les laisser comme ça. Ah, pardon, je me suis trompé. N'importe quoi. Voilà. On va mettre 3 constructeurs. Comme ça, ici. J'ai pas de puits. Ah si, il est ici, ouais, faut faire attention. Là on casse tout. La route également. Je ferai une sorte de petite place ici. Je sais pas trop comment. Ici. Ah, le marchand. Bon. Qu'est-ce qu'il a? Une graine de poivron. Mais attendez, mais j'ai déjà des poivrons. Oh, franchement, non, il fait chier. Et mais en plus, ça coûte extrêmement cher. Mais attendez, mais il y a. Il prend grave cher. Poivron. Mais je m'en fous des graines de poivron. On va le laisser partir. Hein, parce que du coup, on n'a rien à acheter. Allez, on déconstruit s'il vous plaît, c'est parti, on enquille mesdames et messieurs. Ah, je peux vous dire qu'il va y avoir de la baraque là-dedans. Déjà, il faut reconstruire l'équivalent de 4 baraques. Peut-être même plus, le fait que... Un comme ça. Un... Allô? Qu'est-ce qu'il bloque? Ah putain, il y a une route ici. Du coup j'en étais où? Hop, pétez-moi la route s'il vous plaît. Comme ça. Allô? Ah. Voilà. Donc ça c'est pas mal, on en profite. On construit. Hop. On va construire également ça. Et on sera... On sera vraiment bien. On va même se construire une petite route ici. Ah oui, il y a énorme. Tout le fer est stocké ici en fait. Voilà. Bois brut. Ouf. C'est clair que j'ai pas été cool avec le bois. Là, il y a tout qui a été pompé. Normalement, ils ont tout pris au niveau du bois. Qu'est-ce que bois brut? Ok, c'est exactement la même chose. Bon, c'est pas mal ça. C'est déjà pas mal. Donc, tout ça, c'est fait. Il y a combien? 300 gars, bah, tout le fer est ici au fait. Okay. Niveau bouffe, début de l'été, on est plutôt bon. Alors je sais pas ce que ça donne pour la flotte, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent que ça. Hein. Ah, ils attaquent l'eau, c'est vénère. Hein. Ce sont des gros sacs. Oula, bah, y a beaucoup de travailleurs là, c'est bien ça. Ça c'est tout ce qu'on demande. Ah, c'est vraiment cool. Bah alors attendez, ce que vous allez me faire les gars, c'est que les travailleurs, vous allez me péter tout ce qu'il y a là. Même on va voir encore plus grand. Voilà. Là y a rien à péter. Voilà. Faites-vous plaisir. Ah, ah oui, ils sont 4. Ah bah c'est bien ça. Ah ça c'est bien. Ça j'aime bien. Pour ce qui est de la route, on va même se permettre
à construire. Là, je peux vraiment pas. C'est très frustrant. On va juste faire la route principale. Je vais pas. Ça nous fait 200 presque. Ouais, on va bouffer un petit peu de fer. De pierre, pardon. Bon. Les nomades ne veulent pas venir. Il est clair que là, s'il y a du nomade. Hop. On va laisser deux constructeurs. Après limite, si à un moment je peux me permettre de mettre 4 mecs sur le sur un même champ, ça pourrait être avantageux. Ils ramasseraient encore plus vite. Et puis là, il y a du peuple. Hein. Là clairement, il y a du peuple. Alors 4 sur 4. Ici, on est à 4 sur 4 aussi. Donc c'est plutôt cool. Là, ça sert à rien d'en mettre trop. Ok, là je peux pas. 1 sur 2. Prune. Ouais, les prunes, ça produit pas beaucoup. On met 1. C'est pas mal. Le bois monte. Ah ouais, mais non, je suis bête. Je suis en train de les péter. J'étais en train de me dire, ah, ça monte tout seul, c'est plutôt cool. Mais bah non. malheureusement, non. C'est un peu con parce que l'allée je l'ai faite en 4 de large, mais j'aurais dû me contenter de faire en 3 de large. J'aurais juste dû faire ça. Bah d'ailleurs, en plus, si je mets 3 de large là, ça veut dire que qu'est-ce que je peux utiliser? Ça m'aurait fait 4. On aurait peut-être même pu rajouter une maison ici. Et puis là, ça aurait été un peu moins enviable. Bon. Bah, c'est pas grave. Hein. Ce qui est fait est fait. J'ai pas envie de tout reconstruire. Ça serait trop bordélique. En tout cas, ça fait des sacrées baraques. Ouais. J'hésiterais vraiment à commencer à faire la cathédrale, mais j'ai pas du tout les ressources, notamment au niveau des pierres. Mais d'ailleurs, bah, faudrait que je rajoute des gens ici. Il faut rajouter les gens là. Pierre, le fer, on est bon. Le bois, on est presque bon. Marchand, hop. Qu'as-tu à nous proposer? Que de la bouffe. Oh. Baie, cerise, poire. Ouais. Qu'on pourrait lui demander de ramener, ce serait des prunes. Viande de mouton, bread. Ouais. Il va nous ramener des prunes le prochain coup. Comme ça, on pourra faire une production d'alcool assez intensive. Que lui il produit mais il a du mal à suivre le rythme. Après ils sont deux, c'est un peu mieux. L'alcool baisse. Wow, mais les alcoolos, what the fuck, c'est des sauvages. Oh, oh là là, regardez la vitesse à laquelle ils vont. Parce que oui, le fait de changer la route, qu'elle soit en pierre, et bah accélère les mouvements des habitants. Ils se déplacent beaucoup plus vite sur ces routes là. Là, on va mettre un. Voilà. Ça devrait être pas mal. Au moins, là, on sera tranquille à ce niveau-là. Pour la bouffe, c'est toujours à peu près potable. On est plutôt bien, toujours. Peut-être se permettre de rajouter également une water tower ici, que je ne peux pas mettre. J'ai le seum. Là, je ne peux rien mettre. Oh, j'ai plus tous les espaces quand même. J'ai pris pas mal d'espace. Ah, mais attendez, mais juste ici aussi.
Alors attendez, ah putain, ouais, j'ai un champ là. Alors attendez, si ça je le... Pardon, si ça je le pète. Donc ça je vais le péter. Ah la vache, ils sont tous en train de taffer là, là. Oh c'est vénère. On va faire moite-moite. Voilà, allez hop, tabasser un petit peu. Comme ça, on peut se permettre de mettre une baraque. Eh ben non, on peut pas, la putain de taras. Bah c'est pas grave, on va mettre autre chose. Oh, waouh, tous les gens qui sont là-dedans, c'est violent. Putain. Et par contre, on peut mettre combien de personnes là-dedans là? On peut au moins mettre une quarantaine de personnes. Bon, déjà, on va faire ça. Ça déjà c'est bien. Et en plus, si je fais ça. Ah mais oui, mais c'est toujours trop. De toute façon, il est mal placé. Ouais. Ça me fait un peu chier cette histoire. Je sais pas ce que je pourrais mettre ici, je vais garder la place. On verra un petit peu plus tard. On va pas faire ça comme ça. Ça pourrait être cool de le faire en vrai. S'il se déplacerait là-dessus. Comme ça. Comme ça, oui, ils vont travailler. Faudrait. Alors, au niveau de la pierre, ça, ça devrait être en train d'augmenter. Aussi. Ah bah non. Ça, c'est un peu gênant. Pourquoi j'ai fait ça? C'est chiant. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Parce que j'ai peur de faire un peu trop de maisons. On en a déjà pas mal. Alors si j'en fais trop, autant limiter le nombre d'habitants et pas prendre de risques. Allez hop 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 hop, 60. Et boum, une personne en plus. Voilà, ça j'allais l'enlever encore une fois. Est-ce qu'il y aurait un marchand qui arriverait prochainement? Ça pourrait être cool. Sinon, un truc qui pourrait être cool à faire. Alors attendez, parce que là le coût du marché, si je le mets ici, eux ils stockent le bois dans les parages. La cathédrale serait construite là. Il y a un truc à faire ici. Parce que si je mets le marché ici, il va prendre les ressources qu'il y a là. Les ressources qu'il y a là. Ça c'est bien ça. Les ressources qu'il y a ici. Bon certes il n'y aura pas beaucoup de granges, mais au moins ça prend déjà les ressources. Ici je pense que je ferai aussi une hutte de forestier là avec une zone de stockage qu'ils iront chercher. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Alors on va juste tracer un petit peu les routes histoire de pas se perdre. Pardon, je me suis coupé. Alors lui on va le mettre comme ça. Comme ça. Ça, ça nous fait. Huit. C'est parfait. Donc ça, comme ça.
avec un pont ici. 75, ok, c'est faisable. Si je fais un pont en pierre, c'est un peu moche. Hein. 75 de l'autre côté. On va faire ça parce que ça va être le centre-ville de toute manière. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi je peux pas. On va faire comme ça. Quant à lui, il faut tout ça. Marchand, bien. Ok, non, lui c'est un abruti ce mec. Ouais, il en fait exprès. Ah, mais c'est pas le même. Ah. Moi je veux des prunes. Il faudra des prunes. Au niveau de la bouffe, on est bon début de l'été. Ouais, ça va, c'est potable. Donc, ça nickel, voilà. Voilà. Comme ça, ça c'est bon. Je vais même me permettre de mettre une autre là. Et ça, ça va commencer à prendre forme. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais pas ça en pierre. Ça pourrait être plus intéressant peut-être. Alors attendez, là je vais regarder, je vais calculer hein, par rapport aux maisons. 4. Là je peux mettre des maisons seulement comme ça, donc c'est très intéressant. Sauf si je les mets comme ça et que je laisse un peu plus de place aux alentours du marché. Genre si je fais un truc comme ça, ça je l'arrête. Ça, je l'arrête avec tac tac troisième étage tac tac lui je l'arrête lui également et lui aussi. J'ai la place d'en mettre une ici. Pile la place de mettre seulement celle-là. Qu'est-ce que je pourrais pas mettre un autre bâtiment à la place? Watermill. Ah bah oui, il y a... Ah, mais il y a carrément un moulin. Oh, si. C'est bien, ça. Eh, mais d'ailleurs, il pourrait être placé ici. Mais c'est fantastique. Ah non, vraiment, ça joue à rien, là. Oh, comme ça. Oh là, c'est beau, là. Oh là, c'est beau. Hein. Hop, on le met sur pause, lui. Comme ça, on a une vue d'ensemble de ce qu'on veut faire. Hop. Voilà. Bon, rien ne va être construit. Peut-être le marché. Ça pourrait occuper quelques personnes. Hop, on va mettre le marché à construire. Vraiment, ils sont censés ne rien construire d'autre. Mis à part les ponts, évidemment. Donc là, ils vont me faire tout ça, ils vont être contents. Par contre, au niveau de la santé, il y a un truc que je comprends pas. Elle augmente pas du tout. Alors que j'ai mis une clinique, il me semble que j'ai mis un barbershop, bah voilà. C'est peut-être ça, je vais peut-être... Alors, barbershop, dentiste, un dentiste. Si je mets un dentiste là... Pourquoi pas? Allez hop, ça tabasse le marché, c'est bien. Au niveau des ressources, ça reste stable, c'est plutôt cool.
Ah là j'aime bien. Là c'est. Franchement c'est appréciable de faire des épisodes comme ça où il n'y a pas trop de soucis. Voilà, parfait au niveau du marché. Deux personnes. Qu'est-ce qu'il. Oui. Son métier était mineur. Ah. Navré très cher. Hop. Et du coup là il y a trois personnes dans le marché. Et ce qui est bien sur ce jeu c'est que. Bah déjà ici il y a un puits, donc pas besoin de mettre de puits autre part. Et sinon, bah plus il y a de personnes qui travaillent dans le marché, bah hop, elles prennent des emplacements comme ça et ça attire de plus en plus de monde. C'est vraiment cool, c'est très intéressant. Alors là, eux ils sont en train de construire ça, ça c'est pas mal. Donc ça on a tous nos ponts qui sont pratiquement. Il y a juste lui, alors lui il faudrait que je l'enlève, putain. Quand je vais l'enlever, ça va être le bordel parce que les gens ils passent tous par là. Regardez, regardez-moi ça. Regardez l'affluence. Regardez-moi ça. Voili voilou. Alors lui, boum, c'est parfait. Un dentiste, comme ça, ça va attirer un petit peu de monde, ça va leur faire un peu de bien. Ici, j'ai rien à faire. Alors, ouais, il existe un mug pour les décorations, mais j'hésite vraiment à le prendre parce que Vanish, c'est un jeu où, avec très peu de mods, il peut y avoir des problèmes de compatibilité, je ne sais quoi. Par contre, si on lance une partie, bon, il y a moins de problèmes que sur Cities Skylines, mais on peut pas utiliser les mods. Donc c'est un petit peu gênant. Mais il y a un mode justement qui permet de placer des barrières, des plantes, des trucs comme ça qui permettent de décorer un petit peu. C'est vraiment agréable. Donc, tous les gens passent par ici. Là, bon, on va mettre tous les travailleurs ici. Comme ça ils vont pouvoir me construire la totale. Ils veulent bien, bien sûr. Mais ça, c'est complètement con. Hein. C'est bête qu'il n'y ait pas de route ici. Les gens passeraient là et pourraient aller un petit peu plus vite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, mais il n'y a personne là. Ah, bah voilà. Alors, est-ce qu'ils sont en train de tout me construire là? Cette route là n'est pas construite. Non, c'est pas construit ici. Mais où est-ce qu'ils sont en train de construire là? C'est une question que je me pose. Au niveau de la bouffe, c'est toujours aussi stable. Fin de l'hiver, il reste tout ça. C'est vraiment bien. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce qui est ici. Je peux pas en placer là. C'est vraiment pas mal. Au niveau du marché, 4 personnes. Mais en fait, les gens se placent automatiquement ou ce sont des personnes qui certes travaillent. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? C'est vraiment frustrant. Si je prends les 50 de cuir, il me faut 500. Ça, ça a une valeur de 5, donc il en faut 100. Échanger, laisser le marchand partir. Et voilà. Comme ça, on aura un petit peu de cuir. Voilà. Et le petit gars qui est juste là, et ben, il va pouvoir travailler. Il va pouvoir faire ses petits manteaux en cuir. La santé des habitants ne monte toujours pas. Alors attendez. Hop, on va aller là. On va s'informer un petit peu. Citizen, les citoyens, Shelter Health. Alors, la santé de la ville est variée. Ah non, une ville qui est bien et donc une ville où il y a des variantes de nourriture. Pas mal d'herbes médicinales qui peuvent être ramassées par un herbaliste.
La santé est essentielle à la prévention des maladies. Bah, je comprends pas. En gros, c'est surtout la variété de la nourriture qui manque. Mais pour avoir un cœur pour ça, ça me fait un peu mal au cul. Alors attendez, par contre, pourquoi j'ai pas... Qu'est-ce que ce bordel? Je suis censé en avoir 5. 1. 1, 2, 3. J'en ai que 3. Mettre 5. Voilà. Ok, parce qu'en fait lui il a exactement le même icône qu'ici. Donc pour lui c'est exactement le même travail. Donc ça au moins c'est géré. Non mais vraiment, la santé des habitants dépend de la variété de nourriture. Bon, ça je suis d'accord, mais si seulement les marchands ils pouvaient m'apporter un petit peu ce que je veux, ça pourrait être assez cool. Ça pourrait être cool. Oula, bah, je vois que l'heure est en train de tourner. C'est pas bon du tout. Va peut-être falloir que je stoppe un petit peu l'épisode quand même. Parce que là on est à... Du moins sur mon écran, vous aurez un petit peu en moins pour vous, mais moi je suis à 37 minutes de tournage, 37-30. Donc je pense qu'il va falloir stopper un petit peu. Et en tout cas, c'est... Wow ! Épidémie, d'accord. Bon, ça c'est pas un souci l'épidémie. Hein. Très clairement, on la mange l'épidémie. Voilà, lui il va directement à l'hôpital. Enfin, si veut bien être soigné, bien sûr. Avec une personne de toucher, bah dis donc. Elle était violente, hein. Oh là là. Le pire, ça va vraiment être pour ce pont-là, hein, quand il va falloir le refaire. C'est dans la cathédrale 340. Oh, on y est presque. Le fer, c'est bon. C'est surtout la pierre. C'est vraiment et surtout la pierre qui va nous manquer. C'est pas mal. Mais dès qu'elle sera construite, ah là 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 là, ça va être beau. Qu'est-ce que ça va être beau. Par contre, ah mais oui. Pareil, je vais me renseigner un petit peu sur les nomades. Ressources, citizen. Est-ce que ça serait dans citizen? Shelter, happiness, warmth. Ok, éducation. Get tools, nomade. Dès que la ville a une trading post, okay. Dès que la ville a une mairie ou un hôtel de ville, un marché, trading post, c'est ça? Comptoir de commerce. Des groupes de nomades vont occasionnellement arriver dans la mairie et demander de rejoindre la ville, donc de devenir citoyen. Ok. Ok, ok. Bah le truc c'est que j'ai déjà tout construit mais j'ai pas de demande de nomade, donc je comprends pas trop. Alors qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Mais arrêtez de me rapporter de la bouffe, je veux des animaux moi depuis le début. À la base j'ai construit ça pour les animaux et pour les graines, et ils m'en rapportent pas. C'est arrivé une seule fois et j'avais pas assez. D'ailleurs là ça me fait... Au total ça me fait combien d'ailleurs? Dernière chose... Oh là là là, papa. Ah oui, échanger 400. Je vais regarder la valeur totale, histoire de me donner une idée. 2000. 1300. Ah ouais, je peux même pas. Faire... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah des outils parce qu'ils sont en train de se branler un peu hein. Donc inventaire. Bah des outils on va en mettre 200. Tout simplement mesdames et messieurs. Comme ça les autres ils vont travailler un petit peu. Et quand je serai à 200, donc ça me fait 100, ça fait 800, 1600. 1600 plus 1200.
Oui, c'est ça. 800 chacun. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, bah là on va être bon. On va être bon. Je veux des prunes. Je veux des prunes. Je les ai toujours pas eues. Hein. Pareil pour ça. Hein. Bon. Ouais. Bon. Bah écoutez, mesdames et messieurs, je vais mettre fin à cet épisode parce que ça fait un petit moment quand même que je tourne. L'épisode va paraître un peu long pour ce que c'est surtout. Donc voilà, on a pas mal avancé, c'est grave cool. Au moins on a un petit peu replacé les dernières choses. On se projette déjà, c'est plutôt cool. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à concrétiser. Je pense qu'au prochain épisode, je ferai en sorte de construire la cathédrale. Je jouerai un petit peu en solo pour récupérer le nombre de ressources nécessaires. Et puis sinon, bah écoutez. Franchement, je suis content. On avance bien. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis du coup, comme je vous ai dit en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire quelconque idée que vous auriez. C'est un peu comme sur City Skylines, mais en moins bien, en plus médiéval. Mais si vous avez une idée, un truc que vous aimeriez voir, une forme de construction, des jardins ou je sais pas quoi, vous me le dites. D'ailleurs, il y a un mode qui permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des jardins en plus sur la map, donc ça pourrait être pas mal. Pourquoi ne pas faire un jardin? Ah d'ailleurs, ici je pourrais faire un cimetière, c'est un truc que je n'ai pas pensé. Voilà, je le ferai juste après. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre visionnage. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit sur City Skylines ou sur Banished, et d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde.